En chat, tu vas te blesser. Voldemort ? Ah, t'es là, putain. Badip, badap, bidip, bidip. Boudoup, 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 boudoup. Tiens, femme, voilà tes farines. Farine de maïs. Eh bien, c'était rapide. Ce sera d'une grande aide pour le camp des réfugiés. Ah, alors attends, parce que du coup, faut que je vide l'inventaire, parce qu'elle va me donner une récompense. Il a fait une transformation. Voilà, je vous recevrai. Vous recevrez que. Transformation. Oh bah, ils ont encore modifié le. Meulage. Votre inventaire doit avoir des emplacements. Cool, ouais. Ah, j'ai dit, tant pis. Qu'est-ce que je peux jeter du bois de cèdre? C'est chiant à looter. J'aurais pu vendre ça. Des œufs. Est-ce que j'en ai vraiment besoin des œufs? Non. Au pire, ça s'achète. Tu sais que si tu donnes du pain que à eux là, ils vont mourir. Leur estomac il va pas supporter là. Hein. Ça, ils gonflent, ça gonfle et après ça explose. Hein. Et quand ça explose, après c'est moche. Hein. Bon. J'ai deux places. Oh, mais toi j'en fiche toi. Oh, tu as apporté de la farine d'orge. J'espère que cela nous aidera à. À prévenir de la famine d'ici. Un peu galéré pour parler là. Très bien, ça c'est fait. Ensuite. Oh. Donner la poudre de fissure. Merci à toi. Merci mille fois. C'est très important pour moi. Il est trop tard pour faire marche arrière. Je sauverai mon fils. Peu importe le prix à payer. Qu'est-ce que c'est ça? Poudre de flamme. Alors je crois que j'avais besoin de la poudre de flamme à un moment pour une quête. J'espère que je l'ai encore. Bah ma foi ici c'est bon. On va aller faire ça. Ah j'ai un marchand ici. Est-ce que je peux te vendre des conneries? Marguerite? Allez, y'a Voldemort. Allons faire une petite trotte. Combien? Une quête, hein? Un peu loin, l'autre. Bah là mon grand tu te fais attaquer là. Toi je t'ai vu. Non tu pars, ok. Bah c'est dur hein. Ça c'est fait. Ici il y a un trou. Ouais, j'ai pas envie de m'y perdre.
Alors, l'autre, j'ai fini sa quête. Alors, c'est quoi, c'est le cheval de quelqu'un, ça ou... Toi, vieil homme. Oh, vieil homme, pas plus que ça. Il y a trop de monde à cet endroit. Jette un œil aux ruines anciennes. Ah, j'ai pas envie. D'importantes ruines ont récemment été découvertes aux ruines de l'arbre de Bray. Je suis allé une fois, mais le site est énorme. De nombreuses personnes souhaitant enquêter se rendent là-bas. Pourquoi ne pas aller jeter un œil aux ruines anciennes? Bah, je te vois, j'avais pas tellement envie. Et pas du tout. Merci. Mais mes champs sont toujours noirs de sauterelles. Ce cauchemar ne finira donc jamais. J'ai du mal à respirer rien qu'à voir ces criquets. Est-ce une nouvelle maladie? Toi, tu vas aller au camp. T'es contaminé. Niveau 40, cafeté à l'aura. J'ai besoin de niveau 40, c'est bien, je rattrape le niveau. Alors du coup, les ruines. Oh, ça va, c'est pas le trou que je pensais. Allez, Voldemort. On va aller voir les ruines. On va voir ce qui s'y trame là-bas. Bonjour, bonjour! Je viens fouiner un petit peu dans les parages. Apparemment, il y a un truc d'énorme à trouver. Ça? Ruine ancienne. C'est une relique ancienne. Enquêtez. Examinez bien les ruines anciennes. Oh, trop bien. J'adore faire ça. Comment on bouge déjà? Je pourrais même monter là. WS. Sympa. Ah bah. Sympa, ok. C'est tout? Alors je sais pas ce que j'ai trouvé, mais j'ai trouvé. Alors excusez-moi, je prends juste l'échelle, j'ai vu que je pouvais monter. Je peux monter plus vite ma grande. Bon, l'historienne là. Raconte-moi tout. Il n'est pas facile de suivre les empreintes laissées par l'histoire. C'est vrai. Je ne te contredirai pas sur ce point-là. Alors. La première case, c'était lui. Il n'a beau. Ces ruines doivent avoir au moins 1000 ans. J'ai peur de rentrer chez moi. Beaucoup de gens ont été blessés sur le chemin pour venir étudier les ruines. Et maintenant, il faut à nouveau emprunter ce maudit chemin pour rentrer. Je suis terrifié. Tu tues toutes les araignées. Si tu passes devant, tu pourras nous dégager le chemin et personne ne sera blessé. Les araignées, hein. Les araignées là? Il semblait avoir vu quelque chose par ici. Ah, c'est ça. Je passerai en mode... méchante fleur des roses démoniaques. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Fais-moi les malignes, hein.
Merci. Grâce à toi, je suis soulagé. Cet endroit est maudit. Les pierres bougent et attaquent. On devrait rebrousser chemin, non? On va tous mourir, c'est ça? Éliminer les petits arbres cylindriques des ruines. Pourquoi c'est... D'accord, c'est le soleil. Petits arbres cylindriques, hein. Super. Ah, je pensais à autre chose. Aïe. Pourquoi? Ah, ok. Tiens, la brebis galeuse là. Je peux t'apprendre à m'attaquer, moi. Ces ruines ont l'air très anciennes. Par là-bas, apparemment, oh, il est en haut. Attends, descends pas, j'arrive. Oh, là-bas, j'ai les deux côte à côte, ça c'est cool. Des méchants? Qu'est-ce qu'ils ont? Ah ouais, c'est devenu des méchants, dis donc. Pourquoi? Inventé, possédé par un esprit malin. Un esprit occulte. Oh putain. Toc. Oh, choc, ça va te faire du mal. Donc ça, on a fini. Tu es très puissant. Merci de nous avoir sauvés. Ces reliques valent leur pesant d'or. Chut, garde ça pour toi, ok? À la recherche d'un gagne-pain. Tu as tout entendu? Ne le répète à personne, surtout. C'est pour gagner notre croûte qu'on fait ça. Faut bien remplir les caisses. La peau d'araignée des ruines est un marché d'avenir, j'en suis convaincu. Elle est ferme et résistante à l'humidité. Parfait pour des salles équestres. Fais-moi le plein. Carapace d'araignée, allez, on y retourne. Ça fait deux fois que je passe devant, j'ai pas... Super.